Eh bien, BST du CGT, en ce vendredi 27 juillet de l'an de grâce du réveil de l'esprit 2018, de Men in Black. Tiens, là, c'était le 4 avril. 4 avril, pagaille pour une partie pour durée du RER. Bon, aujourd'hui, c'était la gare Montparnasse. C'est normal, à force de claquer tout le pognon et de rien rénover. Et eh bien ça part en couille de tous les côtés. Comme tout à l'heure, avant que Tata me gonfle. Il y avait le Tour de France. C'est cool le Tour de France. Et ils parlent plus du dopage et des vélos électriques. Tu sais, quand les mecs tombent, les roues ils tombent toutes seules. Ouais, ils en parlent pas de ça. C'est fini ça. Tout est magouille, mensonge et corruption. La bonne nouvelle, c'est que je renais du théâtre. Alors, comme je fais une version genre en argot, j'ai modulé la mienne. Le Corbac et le renard. Maître Corbac sur un touffu planqué, s'enfilait par le fioul un coulant baraqué. Maître Renard qui passait par là lui dit: Oh, que t'es michto, t'as un bec en croco. Si tu pousses aussi bien tes jactances, t'es le mecton le plus balèze du quartier. À ces mots, le Corbac ouvrit son clapoir et le Calandos, président, tomba. Merdicum profondares, croassa le Corbac. Apprenez que celui qui a de la tchatch harponne toujours celui qui paie cash, rétorqua le renard en léchant sa moustache. Moralité, quand ton minster bien fait est saisi du renard, ne paie plus un impôt à ces gens du pouvoir. Ça, c'est pas mal. Mais j'ai écrit des suites du coup, comme ça j'aurai trois rôles. Tu vois le truc? Chouf, chouf. Couette. Le maquereau et la cougar. Le maquereau et la cougar. Maquereau en boîte, assis à l'Élysée, déjeunait des tartines au caviar. Cougar d'un coup qui avait reniflé, bien sûr aussi voulait sa part. Elle s'agenouilla sous le bureau lustré afin de lui faire monter le braquemard. Que vous êtes beau, oh que vous êtes con, oh que vous êtes riche, ça risque de finir au plus mal. À ces mots très flatteurs, il lâcha sa tartine à la gourgandine et prit le pot de 15 kilos, lui tartina le cul en se faisant mettre par un noir. Il mangea tout ce qu'il put en chiant sperme et caviar. Moralité, quand on est président de salope du pouvoir et qu'on escroque de rue, on finit au mitard. Parole de Cahuzac, tu parles qui va en prison. Et le Sarkozy, là, et l'escrozy, là, chevalier de la rôtissoire, là. Attends, c'est pas fini. J'en ai une autre. Toc. Nouvelle version, c'est DSK et la boîte noire. Alors attends. Hop. Bon, celui-là, je me suis pas trop fait chier. Hein. DSK et la boîte noire. DSK tout nu dans un hôtel bizarre tenait dans sa main son braquemard. Boîte noire peinard et qui repassait de rue ne vit pas avancer le dard. Avec son cul dodu et sa belle robe noire, elle était détendue, ainsi commence l'histoire. Jusqu'à là, c'est peinard. Mais que faites-vous donc avec votre suppositoire? C'est un malentendu, répondit le renard. Les bifetons étendus, il plongea dans le noir. Moralité, quand on la garde sans chien au FMI le soir, au tarot c'est foutu, au rage, au désespoir. Ça me plaît bien ça. Mais le maquereau en boîte sauce Rothschild, ça me plaît pas. DSK, ça me plaît pas.
Colon, ouais, ça veut bien dire, c'est le plus près du trou du cul, c'est le colon, non? Ça veut dire que c'est bien des trous du cul quand même. Plein de pognon, là. Le luxe, les mondains, là, tout ça, là. Juste avant l'éclipse, et oui, là, en direct, ce soir l'éclipse, mon tata m'a encore tellement fait chier que, heureusement que la caméra marche encore. Je crois que je commence un film, putain, ça fait... En fait, ça fait 3 jours qu'on se prend la tête, le soir, parce que le courant, ça coûte cher. Je peux pas brancher l'ordinateur, je peux pas connecter. Le midi, c'était pour je sais plus quoi, pareil, sûrement. Et fais-moi ci, et fais-moi ça, cher de bougnoule, en fait. Ah, si c'est son petit-fils, ah, si c'est... Enfin, bref, je me bats les couilles. Hier, je devais pas passer le midi, parce que j'avais des rendez-vous. Je passe vers 3h, pas aussitôt rentré. Ah, t'étais encore sur le banc, hein. J'avais dit 14 fois que j'avais un rendez-vous. Je devais même pas passer. Et le soir, pareil. Je crois de regarder le film, je ne peux pas. Je crois de brancher l'ordi, je ne peux pas non plus. Et ça rougne, et ça rougne, ça rougne. Je sais bien, là, 80 balais. Hein, 62 pinards et 24 jetons. C'est normal qu'elles soient toutes déglinguées. Pourquoi vous tuez les vieux à coups de médicaments, là? Quand c'est qu'il y a des médicaments vrais, là? Et puis c'est quand la révolte planétaire? Des lois votées par, pour et avec les peuples. Tout pouvoir en place, il n'y a qu'à tout arrêter de payer les impôts. Bon, ils se démerdent avec tout ce qu'ils ont volé. Là. Et puis de toute façon, ils vont rendre le pognon maintenant. Il y en a marre. Ici, envoyé spatial, crise de Nice pour l'éternel. Le mal sur Terre, je l'explose. Et j'aime pas qu'on me fasse chier. Moi, j'ai une connexion, une divine connexion, docteur Melvin Morse. Je suis déjà mort 14 fois du 4-1. Là, le mal, il y a l'épée de Damoclès, là. Il y a le périscope, comme ça. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a le percevoir. Il y en a plein. Il y a le perfusion. Pff, il y en a moins 10. Voilà, 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 comme ça. Il va falloir rassembler les monothéistes et puis tout le monde. Hein. C'est ça la trilogie de quintessence. Vous ne comprenez pas qu'on est en train de se faire enculer le vendredi. C'est d'ailleurs un vendredi saint. C'est en mi. See me. Feel me. Enfin bref, il y en a encore même pas 1/10 qui va comprendre ce que je dis. Mais c'est l'heure de la révolte. C'est comme ça, puis c'est tout. Parole de Cahuzac, non, non, non. Parole de Téléternel. D'ailleurs, Téléternel, envoyé spatial. Ça veut dire envoyé spatial. C'est pas envoyé spécial. Comme c'est nul la télé, putain, comme le niveau est bas, et vous gobez tout, vous gobez tout, vous gobez tout. Totale déprime. Heureusement que j'ai la foi. Et le foie d'ailleurs. Au fait, 4e jour, sans une goutte d'alcool. Voilà, voilà, voilà.